5 top 10 l'hiver dernier, 8e de la Coupe du Monde de ski cross, c'est Marielle Berger-Sabatel. J'ai 22 ans, je suis née à Bourg-Saint-Maurice, je viens de la station des Arcs. Depuis que j'ai 14 mois, je me suis mise au ski et ça m'a toujours plu. Donc voilà, je me suis d'abord entraînée en ski alpin et puis je suis passée au ski cross après. De toute façon, le ski cross reste quand même une discipline un peu alpine, donc on a besoin de s'entraîner en ski alpin dans un premier temps. J'ai passé mon bac S dans un ski étude, voilà, de la 6e jusqu'à la terminale. On a des classes qui sont aménagées pour nous permettre de skier au maximum et tout en continuant les cours. Donc voilà, j'ai passé mon bac et je reprends là en septembre de cette année une formation à Sciences Po, un cursus pareil pour les sportifs. On arrive au ski cross quand je crois que quand on aime le sport, on aime la glisse, on aime que ça bagarre et quand on aime l'action. Les moments forts, une première saison, il y en a beaucoup parce que c'est la découverte d'une nouvelle discipline. C'est beaucoup de choses qui se passent parce que courir à quatre, eh ben, on se repose jamais, il y a toujours beaucoup d'action et je garde que de bons souvenirs. C'est vrai que les X-Games, c'était la première fois pour moi et je suis contente d'y être allée cet hiver puisque, a priori, ce ne sera plus au programme des X-Games, en tout cas aux États-Unis pour l'instant. Donc, c'était une belle expérience de courir en ski cross là-bas. C'est vrai que c'était quelque chose de très réputé au niveau mondial en ski cross. Et voilà, c'était une course super à vivre. Et pourquoi pas y retourner dans quelques années si ça revient au programme.